Eh bien, bonjour les Twitchos, bonjour les Twitchas, et bienvenue pour ce stream de qualité en compagnie de vos streamers slash youtubeurs préférés, le susnommé Marvin Schrödinger. Vous pouvez me suivre de part et d'autre d'internet, sous ce même pseudonyme. Voilà, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour l'excellentissime Skyrim. Comme d'hab, attention, live, overlay, waouh, technologie. Et puis voilà quoi, c'est tout. J'ai pas oublié un truc. Nya. Bon, allez. Skyrim. 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 FPS. Alors oui, la dernière fois, on s'était fait passer pour un gars de la confrérie noire auprès de ce gars, d'un gamin qui habite ici tout seul. Putain. Mais quelle baraque de... Oh là là, on me la donne, je sais même pas si je la prends. Je sais pas si vous m'entendez bien en même temps là. Là, on m'entend mieux là? C'est quoi que j'ai augmenté là? C'est ma voix? Ta 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 ta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, c'est ma voix. Ok. Et du coup, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah j'en sais rien du tout. Ah oui, obtenir. Ah ouais, oui. La clé, mais j'arrive pas à l'obtenir, à l'obtiendre. Ah, attends, on va voir, j'ai un nouveau niveau. Waouh, regarde ça. Alors, allez, on va mettre la santé un petit peu. En même temps, la magie. Oh, la magie, je l'utilise pas tant que ça, tu vois. You know what I mean? Pour ce qui est d'un ajout augmenté, atout augmenté, je sais pas encore. Voilà la tire, non. Furtivité, non. Armure légère, bah j'ai pas d'armure légère. Archerie, archerie! Attends, parce que il y a un point qui m'intéresse fort bien. Flèche déstabilisante. Les flèches à déstabiliser une fois sur deux tous les adversaires, à l'exception des plus grands. Chasseur économe, permet de récupérer deux fois plus. Ah ouais, non, c'est tir rapide, je crois. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Et comme ça, après, on aura le tir rapide. Ouish. Oui, alors, on va aller ici pour récupérer la clé pour pouvoir faire continuer la quête. Oh, quelle est belle ta quête. C'est le gamin, un gamin du Yard, là, un des gamins du Yard là, qui parlait pas beaucoup et du jour au lendemain il s'est mis à un peu trop parler. Il était vraiment bizarre apparemment. Et donc on lui a parlé, il nous a dit, eh, bah, y a une porte qui me parle. On est allé parler à la porte. Et en gros, bah après, il y a des trucs à faire, quoi. Il faut trouver une clé. Et pour trouver une clé, il faut soit demander au Jarl, soit demander à je sais pas, une sorte de mage, je sais pas quoi, là. J'en ai rien à foutre de ta vie, mais un point, mon pauvre! Alors. Attends, le Jarl, il est en train de... Ah? Vous connaissez la dame des murmures? Ouais. Bah oui, c'est toi qui m'en as parlé, espèce de con, hein. C'est un mioche, il est con, et en plus de ça, il perd la mémoire. Je suis le chambellan du Jarl Balmo. Attends, le chambellan? Vous devez vous en douter. Le genre de travail, vous n'avez pas? J'aimerais décorer ma maison. Quelle est l'histoire de la ville? Parlez-moi du quartier de la ville. Pourquoi Zelato s'appelle-t-il Fort Dragon? Ouais, bah non, on peut pas lui demander d'ouvrir la porte à ce con. Eh oui, mon brave. C'est magnifique. C'est ici? Je crois qu'il dort là, ce con. Regarde ça. Au pire, moi je lui vole, hein. Discretos comme ça. Détecté. Non, je suis pas détecté là. Je suis pas détecté. Ah bah si, je suis détecté. Ah merde. Oh là là! Un dragon. Il y a peut-être moyen. Ça doit être chiant. Ça... Ouh, bah regarde, je suis caché là. Hop là. Vous croyez pouvoir me Ah faire passer? merde. J'en ai dû venir ici. Je me rends. Bon, bah je sors l'arme. Je la rentre. Approchez doucement. Justice, vous avez commis des crimes contre Bordeciel et ses habitants. Écoute. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Écoute, fais voir. Pourrais-je vous convaincre de ne pas prêter attention à cette affaire? D'accord. Mais attention à vous. La prochaine Ok. fois ne serait pas aussi conciliant.
Et non, je viens de voler le jarl devant lui. Donc j'ai la clé de la porte de murmure. Bah ici, je viens de le voler. Lui, il m'a vu. Ils ont commencé à me taper. Bah... Oui, ok. Je ferme la porte, hein. Et bonne nuit, hein, monsieur le jarl. Bon. Vous devez partir. Et carré. Allez. Oui, oui, bah on a compris, tête de chibre. Alors, bah j'ai la clé. Pourquoi? Bah j'ai la clé, pourquoi qui... Alors c'était où déjà? Ah, c'est là. Ah, c'était là-bas, c'est vrai. Parkour! C'était là. Là! C'est quoi là? Fort dragon! Mais j'avais la clé! Bon, écoute, on va essayer de voler. Oh putain, pourquoi? La porte murmurante. Bah oui. Mais t'es gentil, mon brave. Faut l'avoir de manière légale, c'est ça? Clé de la porte de la. De la. Porte. Ah non, porte secrète de Delphine. Oh! J'aimerais bien savoir c'est quoi sa porte secrète à celle-là. Ah! Bonsoir! Comment vas-tu? Et ça raconte. Moi j'essaye d'avoir une foutue clé. Alors, ah il est en train de dormir peut-être. Et lui? Lui je peux le voler. Je suis détectable? Non. Voilà. C'était pas compliqué. D'ailleurs. Voilà. C'est toujours ça. Alors, voilà, j'ai la clé de la porte murmurante là. On va aller voir ce qui s'y trame. Cette foutue porte là. Paf! Rapporter la lame d'ébonite. Oh! Avertissement contre l'âme d'ébonite. Hein. À toute personne lisant ceci, méfiez-vous de cette lame, de cette arme. Il est. Attends, ça va, je vous remercie. Et vous, ça va? Bah ça va très bien, et tu sais, on peut se tutoyer entre nous, hein. On n'est pas, c'est plutôt informel ici, hein. Ça va très bien, ça stream, je suis en week-end, enfin je suis en week-end depuis aujourd'hui, mais voilà, j'ai des jours de repos, un peu comme ça, cadabrantesque. Il est à t'espérer que les seules personnes ayant accès à cette salle soient le jarl de Blancherive et son fidèle sorcier. Si qui que ce soit... D'autres devaient, putain, j'arrive pas à lire, devaient lire ceci. Essayez de vous rendre compte de l'énormité de cette folie. Faites demi-tour et ne parlez jamais de cet endroit ni de cette arme à quiconque. Elle est corrompue, blablabla, blablabla. Attends, c'est pas beaucoup de choses à lire. Très bien. Que fais-tu? Bah écoute, je stream sur Skyrim. Petite soirée stream, tranquille. Alors, attends, j'en étais où? Elle est corrompue et pervertit les désirs d'hommes et femmes puissants. Certes, son pouvoir est sans égal. Il permet de tuer en laissant votre victime le sourire aux lèvres. Seul un dédra d'une ignominie... Putain, ce mot, ignominie. Celui qui a inventé ça, je vais faire le mot le plus chiant à prononcer. Ignominie. Alors, ignominie extrême pouvant créer une arme aussi malveillante. Je vous le dis, ceux qui l'utilisèrent finirent tous avec le regard de ces fous qui errent dans les collines et parlent aux lapins. Moi, j'aime bien parler aux lapins. Je le fais tout le temps. Et ne prenez pas cette arme à la légère. Les feux les plus ardents de la forge... De la forge ciel, eux-mêmes ne peuvent la fondre et les charbons les plus brûlants semblent se refroidir à son contact. Nous ne pouvons la détruire, mais il nous est également possible de la laisser aux mains de nos ennemis. Impossible de la laisser aux mains de nos ennemis. C'est pourquoi nous la conservons ici dans les profondeurs obscures de Fort Dragon Profondeur Obscure. Putain, il y a trois portes à ouvrir, il est gentil celui-là.
de forts dragons cachés aux yeux de tous afin que nul ne l'utilise jamais. Malheur à qui décidera de s'en saisir. Moi, j'ai pas peur, moi. Bon, à nous deux. Excellent travail. Excellent. J'espère que vous êtes assez perspicace pour voir que l'épée ne correspond pas à la description de la lame d'ébonite que vous connaissez. Voilà trop longtemps qu'elle est laissée en dehors des alliances et des trahisons. Oh. Absorbe l'essence vitale de vos ennemis, renforcée par le sang de la fourberie. Mais elle a l'air géniale! Attends, combien de... Elle fait 23, hein? Oh, moi j'ai du 48, j'ai du 45, t'es bien gentil, mais... Ouais, et la suite? Pour retrouver sa gloire passée, elle doit d'abord s'abreuver du sang de la fourberie. D'abord. Votre monde est pétri de mensonges et de penchants pervers. Ma lame est une adorable sangsue qui se repaît de la traîtrise et en nourrit son maître. Cherchez ceux qui vous sont les plus proches. Le dernier soubresaut de leur petit cœur accompagnera ma lame dans le champ de votre grandeur. Terminez la porte murmurante, d'accord, il n'y a pas autre chose. Ah mais c'est tout. Oh bah j'ai une nouvelle lame. Enfin une nouvelle arme plutôt. Bah écoute. Bah c'était génial. D'ailleurs je vais aller poser 2-3 trucs. D'ailleurs non mais je vais même pas l'utiliser parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Quoique on va quand même la garder dans un coin de notre inventaire pour la tester au moins d'ivoire. Et après... Parce que... Voir, oh, je suis à combien là? Je suis à 309 sur 385. Oh. Attention. Ah merde, je voulais courir. Je voulais sprinter. Oh. Moi je joue à Minecraft, je fais un projet que je veux faire quand je serai grand. Ok, c'est quoi? Alors Minecraft, j'ai un peu joué sur, sur Switch. C'est sympa. Quand tu seras grand, c'est... Je vous cherchais. Eh, c'est quoi? J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. D'accord. Voyons cela. Ouais, j'ai un message. De qui? Je l'ignore. Un type louche en robe noire. Impossible de voir son visage. Ah! Il m'a payé une bonne somme pour vous donner ça. Je sais ce que c'est. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Je sais ce que c'est. Fais voir. Note. Note mystérieuse. Non. Nous savons tout! Ah, c'est la confrérie noire. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien. Je croyais que c'était les grises barbes qui m'envoyaient un message pour me dire où se trouvait... Non, tu me connais pas. Pour me dire où se trouvait le prochain... le mot, un mot de puissance. Je voudrais rénover un bunker de la Seconde Guerre. Putain, c'est génial, ça. Un bunker de la... Mais putain, ça défonce, ça. Et genre le faire comme à l'époque, quoi, avec... tous les appareils, les trucs, machin, ça, oh putain, c'est énorme, c'est un super beau projet, ça, d'y voir. Alors, armes, j'ai quelques armes que je veux me... Parce que, alors, celle-ci, elle est pas mal, mais elle prend de la place, et j'ai ma H48 et ma Mars qui fait 60. Le Wabajak, oh, quoi que celui-là, je vais le garder. La lame d'ébonite, allez, on la pose. Ouais, non, on va la poser parce que ça va prendre la place. 45. Ah, on pose ça aussi. Non, sérieux, un petit... un bunker, après, tu sais, ça peut devenir un musée, une connerie comme ça, tu vois. C'est, ça peut être pas mal. Alors,
On va quand même aller voir les Grises Barbes dans le doute. Peut-être qu'ils vont me donner un endroit où aller. Si je te dis que tu me connais, déjà, tu dis quoi? Bah, écoute, peut-être. Je sais pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Je... Oh, regarde ça, c'est beau, regarde comment c'est beau. Ah, il y a mon cheval. Déjà, d'où est-ce qu'on se connaîtrait? Je sais pas qui... C'est moi, le russe qui veut devenir militaire. Ah, d'accord. D'accord, t'as changé de blaze, de pseudo. Qu'est-ce que je voulais faire, alors? Ah merde, c'est pas Arnière. Oh, cette potion, potion de régénération. Oh, santé. Ouais, bah je prends ça, écoute. Oh, c'est de la merde. Alors, il est où Arnière là? Arnière. Il est en train de vénérer son assiette encore. Ah, une potion. Ah, de temps en temps, ça réapparaît, c'est bien. Ah, voilà. Il est devant son assiette, le con. Non, c'est pas lui. Ah, putain, ils sont où, ces cons? Ils seraient pas dehors, par hasard? Dans le doute. C'est quoi, ça? Ah, mais c'est un vent, on peut pas y aller? Ah, bon. Ok, ok. Et si je passe par là? Non, mais non, on va pas commencer à se balader à droite à gauche. T'es gentil. Alors, il est où ce couillon là? Arnière. Arnière. Non, lui c'est Enart, étire-toi. Mais il est où? Il est dans la salle principale, c'est ça? Non. Il est où? Il est mort? C'est ça? Merde. C'est con ça, comment je fais moi? Bon. Ok, 1, 5, 6, 7, 8. Allez, on va attendre un petit peu. Alors. Ils sont où ces cons? Ah! Non, c'est toujours Enart. Oh putain, ça commence à m'emmerder ça d'y voir. Vulgar. Bori. Et il est où l'autre con? L'autre con. Qui me donne toujours le même endroit. Bon, ça commence à me gonfler. Ah! Arnière. Argère. Allez. Allez. Donne-moi un nouvel endroit où aller. Stop, 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 stop. Eh putain, il me donne toujours le même endroit, ce con, putain. Ah là là. 7 stage free form. Aïe. Holgar. A majuscule, espace 20. Voilà. Paf. Putain, mais bande de cons, à chaque fois vous me donnez le même endroit où aller là. Bah, je sais pas ce qu'on va faire. Mon cheval est toujours là, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader un petit peu et je... Ah oui, d'accord, ok. On va se balader un petit peu. Et on va...
S'il y a des grottes, des trucs comme ça, on va les visiter et on va faire des trucs, quoi. On peut peut-être trouver... des mots comme ça. Ah, par contre, ça va être long pour descendre. Oh, ça va être long, écoute, on se balade. Ou pas. Non, parce que ça va être chiant. Ce qu'on va faire... Non, mais en plus, j'ai des quêtes, moi, en fait. J'en ai, mais bon. Adressez-vous à Mirabel Erwin. Adressez-vous à Urag. J'ai réussi à trouver les écrits de Chalidor, l'archimage d'Urag Groschub. Recherchait. Je dois lui rapporter à l'archimage. Ouais. Bah tiens, on va faire ça, allez. Ça va mettre un petit moment pour y aller, mais bon. En même temps, on se balade. On voit du paysage, non? Putain, coup de hache comme ça dans la tronche. Et là, il y a un troll qui m'a repéré. Quoi, y a un dragon quelque part? Putain, y a un dragon. Maintenant en plus. Ah, tu m'as pas vu, c'est bon là. Tu m'as pas vu. Ça va. Ah putain, encore un troll. Saleté de troll. La vermine, ces trucs. Oh putain, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Ne touche pas à ce cheval, il m'a coûté 1000 francs. Non, non. Parouche, qu'est-ce que j'ai fait, bordel? Bon, je vais le ramener au village, ce con. Paf! T'avais qu'à pas être là. Oh putain, un ours, des trolls, y a quoi après? C'est quoi la suite des événements, hein? Merde, loupé. Ah, laisse-moi tranquille, saleté d'ours. Bah, c'est qu'il court aussi vite que mon cheval, hein, le con. Voilà. Bon, ah, il y a une grotte par là-bas. Est-ce que j'irai pas la voir un petit peu? À combien d'ailleurs? Ah! Tire-toi, toi. Eh, tire-toi. T'as la musique, elle s'est pas arrêtée, hein. Bon, alors, apparemment c'est ici la grotte, on va aller voir ce qui s'y trame. Putain, par contre, pour descendre, on a le temps de crever 5 fois, quoi, c'est dingue, ça. Attends, comment il s'appelle, mon...
D'incinération, arc déboîné, d'incinération, de. Ah, bonjour, saleté d'ours. Encore une saleté d'ours, ça. Ah, c'est de la sale bête, ça. Hein? Alors? Ah, putain, il y a mon cheval, il va vouloir se battre aussi. Voilà. On a pas... Tire-toi, le cheval. C'est bon, là. Ça, c'est la merde. Et ça, oula, des flèches de Falmer, ça fait aucun dégât. Et c'est de la merde. Grotte de... Ah! Regarde ça. C'est une ruche, ça! Bon, allez. Bah voilà! Est-ce que je peux la récupérer? Ah, je pourrais même pas la récupérer, bon sang, putain, fais chier. Ah, ok, c'est pas le meilleur endroit. Masse de Mola Akbar. Pourquoi ça n'a pas fait de cri? Ah bah oui, déferlement. Tiens! Ah putain, il y a l'autre. Ah mais il est mort, je suis con moi. Ah, il sort d'où lui? Quoi, c'est tout? Mais il était pas mort? Ah non, il devait être juste... il avait dû juste perdre connaissance. Alors il y a ça ici. Je prends la chambre close. Bah ça m'intéresse, ça dit voir. Alors. Ah, regarde-le, fais voir. Livre. Est-ce que ça va m'apprendre des choses? Oh bah c'est juste un crochetage, ok. Nickel, bah on peut le jeter. Voilà, je te rends ton livre de merde et j'en ai rien à foutre. Alors, sinon après... Qu'est-ce qu'on a là-haut? Une chèvre. Ah, bah c'est bien. Ouais, c'est tout? Bon. Bah c'est tout. Eh, ah. Alors. Oh! Merde! Putain, mais j'ai pris des trucs, mais je m'en fous. Fais voir, ingrédients, abeilles. Mais... Putain, on peut jeter une... Vraiment? Bah mon dieu. Ingrédients... Fais voir. Restauration de vigueur découverte. Oh, ruche vide. Résistance, poison, découvert. Oh! On découvre des choses à d'Ivoire. Ah, il y en a une autre ici. Ouais, mais on s'en fout. Alors, la torche, on l'enlève. Et on se casse. Voilà, je voulais faire une grotte. Bah, j'ai fait la grotte. Maintenant. Eh ben allez, c'est parti pour un grand périple parce qu'on est là et on doit aller là. Bah c'est parti. Hein. Oh ta gueule. C'est par où? Attends, hein? Ah c'est par là, attends. Oh.
Alors, les chèvres, on est perdus? Mais comment ça? Mais comment ça? Ouais, saleté, ouais. Je sais pas par où je passe. Ah, si, si, il y a un troll d'ailleurs ici. Oh, bah d'ailleurs, on va le buter, tiens. On va le buter. Tu descends sinon? Voilà, merci. Attends, j'ai quoi sur le dos? Quoi? Comment ça, j'ai ça, moi? Mais comment ça, j'ai... Flèche de Falmer? Mais t'es pas un peu marteau? Ça, c'est cadeau, ça. 2000. On va prendre ça. Des flèches de Falmer, mais ça va pas la tête. Ça fait aucun dégât. Flèches de Falmer, c'est les pires de tout. De tout. On va prendre ça. Alors, il est où ce con? Eh? Oh. Voilà, déjà ça. Et ensuite, voilà. Voilà. Vraiment. Ok. Il y a quelqu'un. Chimar, on va voir ce que c'est. Note. Livre. On va commencer par un H. C'est... Ok. Note. Nat. Capitaine, il y a plusieurs plaintes concernant des attaques près de la rivière, au nord-ouest de la brèche. Un peu plus d'aide de la part des civils serait bienvenue, la bienvenue pour l'effort de guerre. Attends, j'avais été où? Pour l'effort de guerre dans ce coin. Et j'aimerais que vous dépêchiez quelques hommes pour enquêter. Il s'agit probablement de quelques loups tout au plus. Donc, inutile d'envoyer plus de deux hommes. Eh ben voilà. Eh ben voilà, regarde. Voilà. Désolé, mon pote. Squelette vide. Oula. Il me fait chier ce nid de route là. Oh putain, ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, ingrédients, allez, dégage. Voilà. Allez, c'est parti, hein. Qu'est-ce que c'est? Il va pleuvoir? C'était quoi ce bruit? Ah putain, c'est quoi ces trucs là? J'aime pas ça du tout, hein. Laissez-moi tranquille, y a rien à voir. Ah mais c'est des feux follets. Ils attaquent? Laissez-moi tranquille. Oh putain, des araignées comme ça là. Toi. Putain, comment je les fais valdinguer, bordel. Attends, non, je vais prendre la masse. Pour capturer des âmes. Je crois que l'araignée a tué la chèvre. J'en avais rien à foutre, mais bon, je vous le dis, quoi. Oh, dis-moi pas qu'il va me faire passer vers... comment ça s'appelle? Vers le dragon, là. Parce que vu comment c'est parti... Oh, non, quoique... Non, c'est bon. Putain, c'est quoi ces chemins, là? Ah, oh, putain, une araignée.
On s'en fout. C'est quoi ça? Bah vas-y, attends que je descende au moins, non? Putain, en plus, y a... oh, l'araignée, elle m'a suivi jusqu'ici, la meuf. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien, mais j'en ai déjà. J'ai déjà. 120. Oh mon dieu. Oh, vas-y, là, c'est bon, là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon, on va le tuer, ce... Mais... Tu vas la prendre, ta... Mais... Attends, je baisse un peu mon son parce que... Ah oui, c'est mieux comme ça. Ouais. Attends. Ah non, c'est bon. C'est bon, fais voir. 1, 2, oui, bon. Alors, merde, j'ai pas regardé. C'est quoi ça? Ouh, ça a l'air effrayant. Bonjour. Y a quelqu'un? Je viens en ami. Des couteaux perdus. Oh là. Très sombre ici d'y voir. Oh je... Oh! Les enfants. Eh merde. Malandrin. Pleutre. Il est où ce con? Oh bah il est là. Mec, il se prend une flèche. Et oh, il y a quelqu'un. On voit ça, ça doit faire mal, ça. Ouais, c'était... Alors... Bon, ça m'a pas l'air très... fantastique, ce qu'il y a là. Oh, quoique, ça a l'air bien grand, quand même. D'y voir. Et toi, t'as quoi, là? La clé, je prends la clé, et je prends le fer. Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut, les enfants. Maintenant, on se la joue discretos. Allez. Mais c'est que c'est grand là, il y a quoi là-bas? Ah, ça pique hein. Eh, on se calme, hein. Attends, avant que tu tombes dans la flotte, fais voir. Ouais, t'avais rien. Et l'autre, il est mort. Il est mort, l'autre? Il est tombé dans la flotte, il est mort, c'est ça? Alors, les enfants. Les os. Bon.
Et moi, si je tombe, est-ce que je peux remonter au moins? Oh bah tiens, il est là, l'enfant. Voilà, bonjour. Est-ce que j'ai le droit de remonter moi aussi? Voilà, c'est bien. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh, ça va, hein. Ah non, merde, il est pas mort. Ah, le con. Ah, le con. Il est où? Allez, petit. Oh, putain, arrête de bouger. Voilà. Allez. T'es gentil. Voilà. Bon, il y avait pas grand chose, hein. Il y avait pas grand chose, ce con. Bonjour monsieur. Ou madame, je sais pas. Malandrin. Une malandrine. Ah, eh ben alors. On se planque. Ah, ça fait mal, hein. Hein, que ça fait mal. Dans une flèche, on la récupère. Alors, je suis arrivé par là. Bon. Bah, je sais pas ce qui se trame dans cette grotte, mais écoute, ça m'a l'air super. Ça a l'air très grand. Qui est là? Ah, ils doivent être là-haut, j'en sais rien. Bonjour. C'est bien. C'est ici, la rave party. Qu'est-ce que c'était? Ah, ils doivent être au-dessus, c'est con. Allez. Ah, oh là là, attention, un piège. Oh. Ah bah, ça va me faire mal, hein. Ah, merde. Oh là. Allez, recharge. Voilà. Voilà. Bon sang. Bande de chibrons. Oula, elle m'a l'air gigantesque cette grotte. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais. Je vais voir. Ouais. Ok. Ah. Ah, d'accord, c'était qu'une partie de la grotte. Attends, on va aller voir un peu là-bas. Ah oui. Je vous dérange, c'est ça? OK. Voilà. On n'en parle plus. Merde, qu'est-ce que j'ai pris? Je crois que j'ai pris son arme de merde. Oh, il a quoi comme arme de merde? Non, je suis dans tenue, moi. Alors, épée de fer. Mais qu'est-ce que je fous une épée de fer là? J'ai pas ça. «
Ok. Oh, 820, je prends ça. Bon. Attends, parce que... Comment on fait pour aller là-bas? En plus, il y a des ennemis là-bas. Fais voir si je peux en avoir un, comme ça. Fais voir. Pour le moment, il bouge pas. Enfin, il bouge. Je vois plus si... Ah. Non, bon. Cachette du couteau perdu. Les enfants. Les enfants. Il y a quelqu'un. On dirait que le chef remet ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? L'ivresse le fait à nouveau déjà. Sauf que cette fois, il provoque tout le monde en tête. Paf! J'aime bien. J'aime bien quand ça se passe comme ça. J'adore quand ça se passe comme ça. Tout dans la discrétion. Et ils ont même pas l'idée de les voir dehors? Non, je sais pas, il y a une flèche, elle vient d'un côté. Ils vont pas voir de ce côté? Attends. Ah, putain, j'adore quand ça se passe comme ça. Une flèche à mort. Éteint. Les enfants. Et ils continuent à discuter alors que leur pote est mort comme ça. Oh merde! Ah, j'étais un poil de fion, hein! De les foutre dans la tronche à ce con. Eh merde, c'est là. Non, non, mais. C'est pas ce que tu crois. C'est. Allez, mon enfant, allez, lève-toi. Voilà, c'est bien. Bah alors? Bah alors, c'est qu'on résiste beaucoup après tant de flèches. Normalement. Allez, oh, et, oh, ouais, alors, malandrin. Ouais, non, c'est de la merde. Putain, je vois rien. Je vois rien. Alors, et lui, qu'est-ce qu'il a, lui? Non, c'est lui que j'ai fouillé, d'accord. Lui, une flèche. Ok. Là, il y a plus de lumière. On peut retourner dans l'obscurité. Ah, il est où, le pote que... Ah, il est là-bas. Ah, il était derrière. C'était le tavernier, le gars. Je l'ai dézingué. Bande de con. Ça m'en gratte les selles. Et le nez. Ah oui, bah c'est la loi universelle de quand vous jouez. Hein. Dès que vous jouez, ça vous gratte de partout. Sinon, c'est pas marrant. Pourquoi je peux pas passer? C'est toi qui me fais... C'est toi qui me bloque le passage. Voilà. Les enfants. C'est papa. Je sais même pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Ah oui, c'est juste, j'ai vu une grotte, il me semble. Je me suis dit, tiens, si on allait voir ce qui s'y tramait. T'as mais bon sens, c'est... Ah, voilà. Et ben voilà. C'est bon, on s'est gratté, c'est bon. Oh. Oh, il fait dodo. Il fait dodo, une flèche dans le buffet. Ah, le réveil est difficile, hein. Bah, le réveil, le réveil. Putain, ça doit être horrible, t'es en train de dormir et tu te prends une flèche
en plein dans les côtelettes là. Rac. Voilà. Et joyeux Noël. Ah, c'est quoi ça, givre bois, ça, du vin. Allez. Toujours dans la discrétion. Non, ça augmente pas mes capacités. Ça. Non. Non. Qu'est-ce que je fais? On va avancer un peu plus rapidement quand même parce que hein. On se fait chier sinon. Il y a quelqu'un. Des flèches de fer. Oh. Elles ont toutes valdinguées. Ah! Alors, les enfants. Ah, bah je l'avais pas vu. Ah, détecter, comment ça détecter? Bien sûr que non. Allez, on va se la donner sévère maintenant qu'on t'a remarqué. Bon, bah voilà. C'est quoi, c'est un tigre? Mais je crois qu'en fait ici, à la base, c'est une quête. C'est une quête et bah, je suis en train de la faire. Sans même la voir. Envoyez-en un. Comment ça, je vais détecter? Ah, mais c'est le tigre, là. Une flèche? On va y voir. Qu'est-ce qu'on a là? Des livres de merde. Oh, ça, je prends ça. Épée. J'ai lu érotique, bien sûr, Adrien. Alors, épée nordique. Bon, allez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, c'est pas moi. Vous m'avez pas remarqué. Non, maman. Maman. Ouais, mais c'est qu'ils sont un paquet, c'est con. Allez. Allez, passe par là, c'est ça? C'est ça, vous passez par là? Bande de couards. Bon, bah maintenant je suis détecté. Putain! Mais crève! Je m'en fous, je te tue! Voilà, à l'arc! Oui, tu te rends. Ouh là là, c'est qui fait mal le con l'autre avec son arc là? Vas-y voir là! Vas-y voir, mes petites dames là! Attends, d'ivoire. Allez, gauche-droite. Allez, gauche-droite. Où est-ce que je vais aller? Gauche-droite. Oh là là, c'est difficile, hein. Ah, c'est difficile, hein. Allez. Hop, gauche-droite. Oh là. Oh, bon, c'est bon, allez, il se déplace trop rapidement, il m'a saoulé. Allez, charge. Voilà, putain. Et là, il y a qui, là? Là, c'est le chef, là? C'est le chef qui fait coco, là, qui... Il est où? Allez. Non. Oh, je voulais enlever ça. À la base. Ressors là. Allez, mon petit. Petit. Il est où, ce con? Bon, écoute. Tu viendras quand tu seras prêt. C'est quoi ça? Ah, ouais. Ah, c'est. Flèche, Shadowhammer, épée en acier, c'est de la merde. Crochet, grenade, je prends. Or, je prends. Et oui, ça, je prends ça.
Les autres, ils sont où? Ah. Et oh, c'est qui veut laver? Oui, je suis là, regarde. Il est où? Je le vois pas, ce... Mais il est où? Et non! Ah ah! Merde, il est où? Salut mon pote! Allez! Attends, je vais en profiter pour crochet, dague, c'est de la merde. Bah, d'y voir. Ouais. Voilà. Et on n'en parle plus. Oh, c'était pas facile, hein. Oh, moi de mon temps, vous savez, les petits jeunes, là. Moi de mon temps, on avait des haches et des marteaux pour se fendre la poire. Pardon. Alors, un ours ? Ok. Ah, merde, je suis bloqué, là ? Bah non, je suis pas bloqué, qu'est-ce que t'as ? j'avais vu un coffre là, ouais. Donne-moi le coffre, ouais. Ouais. De la merde. 161. La santé et la vigueur de la cible subissent 5 points de dégâts. La classe, on s'en fout. Faites, hein, bah c'est de la merde votre gros coffre. Voilà, c'est ça, c'est plus intéressant ça. Ici j'ai fouillé là. Et il dit, ouais, un petit thème, j'ai fouillé par là. Là. Ah oui, là. Ouais, je peux tout ouvrir parce que j'ai la clé. Allez, tu es libre. Surtout, c'est moi qui l'ai tué, mais bon. Si vous avez suivi, hein. Voilà, et je récupère ma flèche. Un loup. Ça mène où tout ça? Ah, mais c'est d'accord. Ouh, on va d'y voir. Maître, ça va être compliqué. Hein. Heureusement que j'ai plus de 700 crochets. Ah, pour un moment, hein. Accrochez-vous, les gars. Ok. Je vais tuer quelqu'un. Et ce casque qui me fait mal aux oreilles, bordel de merde. Ah! Ah! On va y arriver, les enfants. Oui. Ah! Bah voilà! Est-ce que c'était compliqué? J'espère qu'il y a des trucs de bien là. Oh! 750, ouais, ça peut être pas mal. Des crochets, j'en ai 8000. Ça, je prends. Oh, une tornade de glace qui inflige 40 points de dégâts. De glace par seconde à la santé et la vigueur. Bah, bon sang. Fais-moi voir ça, cette petite beauté, là. Alors, parce que moi, j'en avais déjà un. Bah, écoute, on va le mettre en favori, ça. Bâton de tempête de glace. Et là, il y a du corano. Ah, c'est douillet ici, d'y voir. Ouais. Attends, comment ça? Ah, d'accord. Ok, bon. Et ben, on se casse. Ok, ils arrivent par là. Attends, d'y voir. Il y a un endroit où j'ai pas vraiment fouillé. Ici, là, tout au bout. Là. Ah, bah si, en fait. Bah, c'est bien. Voilà, porte, et là, c'est vers couteau perdu. Ah, c'est sûrement la suite de la grotte. Allez. Oh, bah attends.
Comment ça? T'es... Eh ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, dès qu'il repasse. Une petite flèche là dans le buffet, bien placée entre les côtelettes. Personne par là. Eh ? Je suis où là ? Ah non ! Ah non, 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 non ! Non, c'est pas ce que j'avais demandé. Ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il... C'est vrai qu'il enflamme les personnes, j'avais oublié. Une... Ah bah, ma demoiselle, pourquoi... Ah oui, putain, mais l'autre avec ses flèches, il me fait très mal, le con. Mais c'est qui me fait très mal. Attendez, voir comment ça marche. Et les petites potions, les... viens par là, les petites potions. Voilà. Eh, ma petite dame, fallait rester à la cuisine, ma petite dame. Non, restez là, attendez, je veux juste vous fouiller. Je veux juste vous fouiller. Eh, merde. Allez, gauche-droite, 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 gauche-droite. Gauche-droite. Loupé. Ouh, bah, t'y vois. Bah, c'est qui fait bobo, le con. Voilà. Paf. Mais non, pourquoi il... M'en fous, je vais les fouiller. Voilà. Là. Oh, heureusement que j'y suis allé. Hein. Regarde, 128 d'or. 128 d'or. Et la gueule et la gueuselle, là. La gueuselle. Un mix entre gonzesse et donzelle. La gueuselle. Bon, bah... Elle est perdue. Allez, monte. Quel gâchis. Alors. Bon. On va devoir refaire tout le chemin, les enfants. Eh oui. Ah bah sinon, ce serait pas drôle, eh oui. Attends. Attends, j'ai quoi, là? Oh, mais faut que je la recharge aussi, celle-ci. Mon con. La hache, elle a pas besoin. Ça, ça a besoin. Ça, ça a besoin de... c'est quoi ça? Ah, c'est l'épée de la gonzesse, la gueuselle. Relâcher, c'est de la merde. C'est pour ça qu'elle est morte. Voilà. Ah, c'est par là. Bonjour les enfants. Comment ça va dans le chat? Wouh! Là, j'ai fouillé. Ah bah, attends, bah non, attendez voir là en bas, j'ai pas fouillé moi. Attends. Alors, hein? Dans ce jeu, faut toujours fouiller à droite, à gauche. Il y a toujours des petits coffres, des petites choses, voyez-vous? Pourquoi ils ont fait un mur de forteresse dans une grotte comme ça? Pourquoi ils ont fait une forteresse comme ça, dans une grotte comme ça? Pourquoi ils ont fait des chambres? On va savoir. Là, j'y suis allé. Là, on monte. Là, on monte. Il y a l'épée qui vole. Ouais. Hein? Chercher hors la loi? D'accord. Oui. Oui. Et épée d'acier? On en parle? D'essayer un truc. Bah voilà. Oui, c'est vrai, c'est par là. Le pont, allez. On va courir un petit peu. J'arrive, bande de cons! Voilà.
Il est quelle heure? Oh, 21h33, ça va. Et ça fait une heure que je stream, eh ben. Du coup, oui, voilà. Ah bah voilà, on y arrive. Alors. Ah non, j'ai encore fait la connerie. J'ai fait la connerie. Non. Oh putain. F5. Du coup, je suis pas allé plus loin que ça. Bah c'est bien. C'est tout? Deux vieilles couchettes et deux... Et deux modestes potions? C'est ça que vous me proposez? Ouais, y a bien un coffre, hein, l'autre consolation, 42 or. Waouh! Waouh! Bah écoute, on va faire un petit plongeon. En essayant de ne pas mourir. Et on va retourner dehors. Ouais! J'aurais dû sauvegarder. Ça va. Allez, allez, monte. Bon, bah, on se casse, hein. Ouais, c'est par là. Ouais. Alors, les enfants. Il va falloir que j'aille pisser. À tout de suite. Donc en fait à la base, je devais aller à la comment ça s'appelle à chaque fois j'oublie ce l'académie de Fort Divers pour aller voir Urag.
Et je dois lui parler de quoi déjà? Dressez-vous à Urag. Ah oui, Chalidor, le connerie de Chalidor là. Allez, Chalidor. Je ne veux pas vous voir. Est-ce que je peux aider les affaires de l'académie? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Vous prenez votre travail très au sérieux. J'ai trouvé vos travaux. Parfait. Ah. Je commence sa traduction. Je ne devrais pas en avoir pour plus d'un jour ou deux. Et bah voilà. Et bah voilà les enfants, est-ce que je peux aider? Je viens tout juste de l'avoir. Je peux pas aller plus vite. Ok. Fais voir. Il y a d'autres livres à récupérer et à mettre en lieu sûr à l'Arcanéum. Bon, très bien. Allez, on va en faire un petit comme ça. J'ai écrit le dernier endroit dont j'ai entendu parler. Jetez-y un œil. Ok. Restez sur vos gardes. Avocation d'Azura. Oh. Allez, c'est parti, mon grand. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve Grégor, là. Grégor, c'est un autre Huskarl que j'ai. Que je sais pas où il est. Peut-être qu'un jour on le retrouvera, qui sait. Oh, qui sait. Bon, et à un moment donné, il faudra arrêter de regarder votre couille qui vole, là. C'est bon, là. Considérez que l'école de guérison mérite d'être étudiée, n'est-ce pas? Hein? Dites. Oui, bien sûr que oui, pas vraiment. Je vois. Je suis heureuse que nous ayons vu cela d'entrée, plutôt que d'en entendre parler dans quelques décennies quand on le murmurera un peu trop fort dans mon dos. On vous traite mal à cause de votre travail, c'est ça? Je souhaiterais d'avoir besoin de magie de guérison. Je me ferai une joie de partager mon savoir avec vous. Voilà. Comme ça, ça augmente, hein. Eh bien, non, pas vraiment. Enfin, pas directement. Mais il se dit des choses derrière mon dos. Oh. Les conversations cessent quand j'entre dans une pièce. Je sais ce qui se passe ici, et je ne le supporterai pas. Ok. Allez, je vois la meuf, ouais, d'accord. Alors, oui, où est-ce que je dois aller? Dis-moi. Oh putain, encore c'est... En plus, je l'ai fait. Mais j'ai pas envie d'y... Fais voir, allez, on va y aller quand même comme ça. Je vais atterrir juste à côté. J'ai pas envie qu'il me chasse direct. Ouais, très bien. D'accord, le mammouth, il vole. Ok, pourquoi pas. On va prendre de la distance et un peu de hauteur. Putain, il y en a deux. Ou alors, regarde. Regarde. Je sais ce qu'on va faire. C'est où? Vite! Et ben voilà! Je prends... Oh, livre de sort! Ouais. Rubis, bah bon dieu! Ouah. Le dédra invoqué de niveau 20 et inférieur sont renvoyés à Oblivion. Je prends ça. 1200... Oh, 1200, je prends aussi. Allez, on se casse! Allez. Je suis désolé, monsieur, c'était pas contre vous. Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Oh mon dieu, bah c'était assez rapide hein, plutôt, non? Ah d'accord, il m'a foutu ici, carrément. Carrément, il m'a foutu ici, le truc.
Ouais, ok. Alors c'est bien gentil d'aller chercher les livres, mais moi je veux des vraies quêtes, quoi. Je veux pas des petits trucs de merde comme ça. L'académie est tout de même... Que les divins soient avec vous. Oui, tout ça, tout ça. Je ne veux pas... On dirait que vous êtes en un seul morceau. Et surtout, le livre est intact. 24 heures, d'ailleurs. Vous êtes sérieux ? J'avance doucement. J'espère bientôt avoir des résultats. D'accord. En gros, faut venir le voir de temps en temps pour savoir si ça a avancé, tout ça, blablabla, blablabla. Nécessite une clé. Non, mais tu me vois. Il a fallu des centaines d'années pour assembler cette collection. Ah bon. Elle va rester en parfait état. T'as compris ? Ah bon. Bon, ce qu'on va faire là... non, c'est parce que... Hein, on va quand même... Adressez-vous à Mirabelle Erwin. On m'a demandé de parler avec de l'affaire du bâton de Magnus à Mirabelle Erwin. Eh ben écoute, on va faire ça, mon grand. C'est ça. Ah, ça c'est cadeau, ça. Putain, j'ai des pellicules de barbe, c'est chiant. Ah, faut monter. On peut monter ? Depuis quand ? On peut encore monter ? Oh oui, regarde ça. On peut encore monter ? Ah oui. Essayez de... S'il y a le moindre problème. Vous savez des choses sur le bâton de Magnus ? Où puis-je apprendre de nouveaux sorts ? Ah, d'ailleurs, attends. Attends. J'ai un petit livre de sorts. Allez, d'outre-tombe. Je le connaissais. Tiens, je vous le donne. Je suis responsable. Où puis-je apprendre de nouveaux sorts ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ici ? Vous savez-vous sur l'ordre des psychiques ? En voilà une question étrange. En quoi cela vous intéresse-t-il ? Oh, tu sais, ma petite dame. L'archimage Arène m'a dit que vous en aviez récemment parlé. Il y a peut-être un lien avec l'œil de Magnus. L'œil de Magnus. Je dois reconnaître que cet objet, cet orbe, est très impressionnant. C'est bizarre comment tu parles, t'es bourré ou quoi ? C'est clairement un sujet d'étude passionnant. Mais évitons les conclusions hâtives et ne lui accordons pas trop d'importance tant que nous ne sommes sûrs de rien. Bah attends, bâton de Magnus et l'orbe s'appelle œil de Magnus et tu dis n'ayons pas des jugements hâtifs. Ça peut être aucun lien. Pardon, et donc le bâton de Magnus, c'est l'augure qui a dit qu'il s'agissait de l'œil de Magnus, pas moi. L'augure. Oui, c'est l'augure. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire ? Ah, ça ! Je ne sais pas ce qui se passe, ni ce que vous mijotez, mais faites très attention. Pardon, et donc, le bâton de Magnus ? Bien, on dit qu'il est très puissant et qu'il a la capacité de stocker une quantité incroyable de puissance magique. Mais c'est davantage une légende qu'autre chose. Je ne doute pas qu'il existe réellement, mais personne ne l'a vu depuis quoi ? Des dizaines d'années ? N'en sais rien. La seule fois où j'en ai entendu parler, c'est quand ces membres du synode sont venus il y a plusieurs mois. Ils étaient à sa recherche. C'est quoi le synode ? Des mages qui viennent de Cyrodiil. Depuis quelques siècles, ils aiment à se faire passer pour une sorte d'autorité impériale de la magie. D'après moi, ils essaient surtout de faire le plus de bruit possible
afin d'obtenir des faveurs de l'empereur. Beaucoup de politique. Comment tu fais pour parler en buvant ? J'ai été assez surprise de les voir ici. Ils semblaient aimables, mais leur façon de poser des questions m'a mise mal à l'aise. Il est devenu évident qu'ils essaient de rassembler de puissants artefacts pour renforcer leur pouvoir. Autrement dit, personne ne sait où se trouve le bâton. Personne d'ici, non. Le synode semblait persuadé qu'il se trouve quelque part en bord de ciel. Ils ont posé des questions sur les ruines de M'Zulft. M'Zulft. Tout ce dont je me souviens. Ils avaient l'air de vouloir se rendre là-bas, même s'ils ne voulaient pas dire pourquoi. Si vous avez l'intention de rechercher ce bâton, il y a des chances pour que vous les trouviez encore à M'Zulft. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il soit très coopératif. Ok. Trouver les ruines de M'Zulft. Que pouvez-vous dire d'autre sur le bâton ? Voyons voir qu'il a été fabriqué et utilisé par Magnus lui-même, si vous croyez ce genre d'histoire. Je crois avoir entendu dire que c'était le seul objet qui pouvait vraiment contenir sa puissance. Le genre de jolie chose que les magiciens d'autrefois aimaient fabriquer. Où puis-je apprendre de nouveaux sorts ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ici ? Les orbes CG, qu'on s'en bat les couilles. Allez, vite. Allez, c'est parti ! Ouais ! Vers bord de ciel et au-delà. Alors, c'est où ton truc ? C'est où que je dois aller ? C'est par où ? Et dis-moi, vas-y, par où, là ? Hein ? Ah ! Oh, oh ! Ah ! Non, d'accord. On va partir des écuries, les enfants. Eh oui. On va partir des écuries, on va y aller à cheval. Alors, s'il y a mon cheval, peut-être quelque part. Eh oui. Mon petit cheval, cheval de roupette. Voilà. Alors. Il est quelle heure ? 5h du matin ? Ouais. Ouais, c'est bien ça. Attends. Par où que je vais passer, moi ? Par où que je vais ? Ouais. Non ! Qu'est-ce qu'il fait, là ? Couillon, par où tu passes ? Petit. Voilà. Ah, oh, putain, il va me faire passer d'à côté du dragon, c'est ça ? C'est ça que tu es en train de me dire, je vais me faire passer du dragon ? C'est quoi ça ? C'est une mouche ? C'est... Merde. Ah, géant, bonjour. Sale vermine de géant. Vous avez tué ma Lydia. C'est quoi ce bruit ? Oh putain de bordel de merde. Allez, c'est parti. Voilà, dégage. Allez. Oh putain. Ours de merde. Je suis passé par où ? Je passe par où, moi ? Par où je passe ? Quoi ? Bon, ok, j'ai compris. Tu attends que je descende. Voilà. J'ai entendu quelqu'un. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, mon brave ? Bonjour, frère. Vous me semblez là. J'ai quelque chose pour vous aider à vous détendre, si ça vous intéresse. Alors, les enfants, si un jour un monsieur vous dit un truc comme ça dans la rue, fuyez. Qu'est-ce que vous avez à vendre ?
le meilleur skooma. Oh, et, attends. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Pas bien la régale. Donnez-moi ce que vous avez et nous verrons cette affaire. Non, ça ne marchera pas comme ça. Non. Vous allez mourir. Oui. Tu es faible. Voilà. On n'en parle plus. Et en plus, je te prends ton skooma. Ah. C'est quoi ça? C'est de la merde, ça. C'est de la merde. C'est qui, ça? Que puis-je pour vous? Apportez-nous votre argent. Pas d'ennui. Vous avez besoin de quelque chose? Ok, vraiment bizarre. Allez, ciao! C'était génial, changez rien. Enfin si, en fait, a changé tout. Bon, mon cheval, on s'en fout, on va continuer sans. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié cette... Eh oui. Ah, il me dit pas c'est par où? Par là? Comment ça... Non mais à un moment donné... Ah d'accord. Ah putain, ne me vois pas. Je suis invisible. C'est quoi ce qu'on voit au loin? C'est un peu blanc. Bon. On va courir un peu plus vite quand même. Oh des loups, c'est gentillesse ça les loups. Ils sont... Mais qu'est-ce qui se passe avec ma souris là? Je sais pas, je fais le mouvement et j'ai fait un mouvement et la souris l'a fait bien après. Enfin, le jeu l'a fait bien après, je veux dire. Viens là, toi. Voilà. Bonjour. Affaires impériales, poussez-vous. Oh, ça va, hein. Ah putain, encore. Allez, viens. Plaf. Voilà. C'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Non, c'est pas encore ça. C'est... Par où il me fait passer ce con? Ouais. C'est quoi ça? Encore des ruines d'Oemer, ça? Ah! C'était par là. Putain, mais il me fait passer par où ce con là? Oh, attends, t'as le camp impérial pas très loin là. Je sais pas si je vais pas y aller avant. Parce qu'ils ont des trucs sympas là-bas, tu sais, des trucs et des machins. Enfin, c'est quoi ça? Ah, c'est ça là? Ah, fait chier. C'était quoi déjà ma quête? Ah, les ruines de Bzouz. Ok. Ah bah écoute. Fais voir. Oh putain, merde. Ah. Attends, je vais aller découvrir les ruines là, regarde, comme ça. J'y vais. Voilà. Bzoulf, nouvelle découverte. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs sur moi et je veux m'en débarrasser. Donc... Je transpire de derrière les oreilles, c'est très gras. Ça commence à sentir l'entrecouille. Et ce casque audio me fait un mal de chien. Ah, il me fait un mal de chien, ça. Non, fais voir. Ouais. Ça me fait un peu mal aux oreilles, mais après, ça va, c'est supportable, hein. Calmez-vous.
Alors, qu'est-ce qu'on va poser là-dedans, le divoir? Arme. Ouais, bah j'ai ça. Non, mais ça c'est pas ce qui prend le plus lourd. Ça, je l'avais pas posé, ça. Ah oui, des draps de base inférieure. Paf. Wabaliak, je... Allez, bon, écoute. T'es bien gentil, mais voilà. Tenue. Ok. Ah oh, bah voilà, il y avait ça aussi, bouclier d'ébonite. Ah, t'es bien gentil, mais... C'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça, moi? Vêtements festifs. Vêtements raffinés. Potion, on va poser les potions. Tout ce qui n'est pas rouge. Entièrement rouge. C'est quoi ça? J'en ai rien à foutre de tout ça, moi. Scuma pour le point de vigueur. La magie se régénère 100% plus vite pendant 300 secondes. Oh, on va dire donc. Merde, non. Attends. T'es bien aimable, mais bon. J'en étais à potion, parchemin. Non, il n'y a pas grand-chose. Clé diverse. Zivarié. 759. Bah, mon Dieu. Ah, ça, bien sûr. Genre... Oh, moi, j'en ai pas tant que ça d'ivoire. Je vais aller en acheter. Putain, alors ça. Eh. Os iliaque de Pélagius. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi j'ai ça, moi? J'étais bourré quand j'ai. Rubis parfait. D'accord. 297. Pourquoi j'ai 297? Attends, fais voir. Parce que des fois, je me fais avoir. Des fois, en fait, j'ai deux armures nordiques, mais non, en fait, là, j'en ai qu'une seule, d'accord. Pourquoi j'ai autant? Ah, bah voilà, les enfants. Eh oui. Alors, ça orange. Et t'es gentil, mais 22 de poids. Ah bah non, je veux pas de ta merde. Voilà, 270, c'est un peu mieux, non? Et puis, on y retourne, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux, hein? Bon. Vous vous déplacez plus lentement lorsque votre arme est dégainée. Putain, par contre, cette épée, elle a l'air de faire beaucoup de dégâts, non? Elle a l'air de faire des dégâts. Elle a... Ok, en plus de ça, c'est la nuit, comme je déteste. Apparition des protocoles électroniques. Sauvegardement rapide. Ailleurs, c'est là. Pas un petit truc ici, là. Regarde. Hein? Et lui. Eh, crochet. La guerre. Non, c'est la merde. Bah, c'est parti, hein. Mesure. Voilà, là on va passer aux choses sérieuses, il y aura peut-être des trucs à découvrir et des machins à récupérer. À tous les coups. Oh, bonjour monsieur. Parti. Trouver appareil dans l'ocularium. Dans l'ocularium. Alors qu'est-ce que t'avais? La clé de Mzulf, journal de recherche, on va le prendre quand même, on sait jamais, journal de recherche. Alors, non, c'est par là, c'est ça. Nécessite une clé. L'ancularium. Alors, c'est où l'ancularium? Alors, les Dwemer, sans merde. Piège! Eh oui! Oula, on se calme le bruitage là!
D'accord. Ah, bonjour. Voilà, c'est bien ça. Halwa, halwa. Araignée travailleuse demeure. C'est bien ça, j'aime bien quand ça se passe comme ça, bordel. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Malakite brute, enfin, je sais pas si ça se dit malakite ou malachite. Non, ça pèse une tonne ces trucs. Enfin, ça pèse un, mais bon. Ah ouais, mais une fois raffiné, tout ça. Ah, c'est bon, on va pas se faire chier, on n'est pas là pour ça. Et puis au final, je suis plein de fraîches, alors si je veux en acheter de la malachite, là, malachite, je sais pas quoi, tes couilles sur la commode. Minerai d'or, on s'en fout. Ouais, bah c'est celui que j'ai fouillé. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Venez là. Venez là. Les enfants. Bah voilà, écoute, tranquille. J'aime bien quand ça se passe comme ça, bordel de merde. Une flèche, un mort. On n'en parle pas. On chipote pas 45 ans. Une flèche, un mort, j'ai dit. Une flèche, un mort. Putain, il m'a relancé ma flèche. Elle est où? Ah bah voilà, là je vais en récupérer des gemmes spirituelles. Eh bah voilà, c'est bien ça, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Je vous l'ai déjà dit. J'ai des gaz, mais je sais pas ce qui m'arrive, mais... On serait douté quoi. Ok, on va laisser fermer. Bon, allez donc, c'est sacrément loin votre truc. Ouh là là, bah allez donc, ça va être une sacrée quête. Ah bonjour, araignée de merde. Allez. Oh, t'es pas morte toi. Voilà. J'ai entendu le bruit d'une flèche. Un coffre. Tout ça pour ça? Seriously? Quoi, ces bruits bizarres? Ce truc fuit, fuit, fuit. Ça, c'est de la merde, ça. Ah, bonjour. Ah, ça, ah, c'est pas sympa, ça. Ça non plus. Allez, ta gueule, va. Oh. Saleté, va. Oh. Saleté de technologie d'OMR.
Eh ben, on arrive à l'endroit où il va y avoir des Falmer. À tous les coups. Quand il y a des Domeurs, il y a des Falmer. Et des Chorus. Chorus. C'est quoi ça? Un bouclier. Ouah, 46. Non, on s'en fout. De toute façon, je n'utilise jamais les boucliers. J'en ai pas besoin. Je suis beaucoup trop fort. Pierre de lune. Non. Ah bah voilà, regarde. Qu'est-ce que je disais? Saleté de libellule, va. Allez, viens là, viens là, viens là. Ouais. Non, en plus ça fait mal ces trucs, alors on va pas... Oh là là, putain, vas-y, potion. C'est quoi ça? Entièrement? Allez. En plus, il y en a d'autres. J'ai vu qu'il y en avait d'autres. C'est de la merde, ces trucs. C'est de la merde. Non! Bonjour! C'est Mercedes et Janine. Ah, ça a failli friser là. Il y a des morts. J'ai vu des morts. Trois tomates, bah bon sang. La danse du feu, une patate. 200. Je t'ouvre. On se la jouait discretos. Oh, bah ça, c'était un piège qui s'est... Ah bon? Ah oui, bah il s'est effondré ici. Il est sûrement un mort quelque part. Dis-moi, il est où le mort? J'aimerais fouiller le mort. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah putain, ouais, c'est dégueulasse. Tiens! Alors? Hein? Ah, lui il est tout petit. Y'en a d'autres? Putain, ils font mal ces trucs quand ils tapent. C'est pour ça que je les aime pas, cette saloperie là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'était ça que je voulais. Non! Stalactite. Ah oui, c'est pas mal ça. Oh! Est-ce que ça les leur ferait pas beaucoup de mal ça? Parce que ça les fait pas mal valdinguer, hein. Après je dis ça, je dis rien. Non, attends, mais avant toute chose, hop, merci. Bonjour. Alors. Bah, des petits secrets là, non? Eh! Ah! Je viens de voir qu'il y a mon frère qui joue à Borderlands. Ça leur fait rien?
Les stalactites? C'est ça que t'es en train de me dire? Voilà. Bon, en fait, ça sert un peu à rien, ça. Donc, hop! Monsieur, dame, bonjour. Contrôle des titres de transport. Oh merde. Alors. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça. Métal. Lingot de métal Dwemer, j'en ai rien à foutre. Un coffre. Ah, d'accord. Ça, je prends. Ça, ça augmente la vigueur de 10 points, on s'en fout. Oh, 700. Eh, d'ivoire. Oh, ça, ça en fait de la pute de luxe. C'est tout? Bon. Déçu. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais, c'est par là. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà. Oui! Oui! Il y en a un autre? Il y en a un autre? Dis-moi qu'il y en a un autre. Il n'y en a pas d'autre? Bon, ça va. 131, bon. Pff. Oh, il n'y a pas de gemme cette fois-ci. Et lui, il en a de la gemme là? Pff. Bande de pleutres. Bande de couards. Oh, voilà. Petite araignée de merde. Petite araignée de merde, tu ne me vois pas et tu marches contre le mur! Ah, c'est une table pour faire des trucs de fiottes, là. Et moi, je descends, j'ai pas peur. Alors, avec vos incantations de fiottes, là. Voilà. Ferraille Dwemer. Voilà. Ça, ça se revend, ça. Ça, c'est une porte. Moi, je l'ouvre. Ah, merde. Allez, merde, laisse-toi faire. Ce sera plus facile. Voilà. T'es gentil. Hein? Wow, ça fait 400. Wow, ça va. les enfants. Ouais, dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est les gros robots là, gigantesques là, qui font peur. Pourquoi j'ai fait ça? Alors. Oh là là. Qu'est-ce qui se trame? Hein? Pouvez-vous me dire?
Quoi? Ah. Oh. Je suis coincé? Non. Ah, bonjour monsieur. Je cherche la boulangerie la plus proche. J'ai pas peur, je descends. Ah! T'es gentil. Et sinon, y a pas de... C'est tout. J'en suis loin de tout ça. Oh, je suis bientôt arrivé. Bah, dis donc. C'est... Ah ouais, en fait, c'est un grand couloir, quoi, quelque part. Ouais, en somme. Je sais pas pourquoi, mais dans Skyrim, j'ai jamais vraiment... adhérer à... C'est con, mais... à la technologie d'Oemer et tout ça. Je trouve que... Ça... Ça va pas dans le jeu. Je sais pas. Merde. Ça fait genre... C'est une technologie futuriste. Enfin, futuriste, entre guillemets. Qui est... dont l'énergie est une énergie un peu... obscure, tu vois. Enfin, voilà. Et bah, je sais pas, j'y adhère pas. Et avec les Falmer aussi, je sais pas pourquoi, je trouve que ça va pas dans le jeu. Ok? Après, c'est mon point de vue, hein. Je sais pas pour vous, mais. Mon point de vue. Ah ouais. Bonjour. Voilà, les Falmer de merde, c'est de la merde, ça, c'est de la vermine. On s'en fout, ça je prends. Amulette d'Akatosh. Dans le doute. Parce que je sais qu'il y a Katosh. Akatosh. 538. Oh, c'est sympa ça. Les enfants. C'est papa. Pourquoi ils sont tous morts? Et ils sont où? Elles sont où les gemmes spirituelles dans les boules? Ah bah voilà, écoute. Oula, une brasserie? Qu'est-ce que ça fout là, une brasserie, bordel de merde? Ah là là. Avant de continuer, repipi, hein. Ah oui.
Bonjour. Ah oui. Allez, donnez-moi les gemmes spirituelles. Ok, je peux pas passer pour dessous. Supérieur contient majeure âme. Majeure âme masque. Zelda. Alors, oui. Ah! La torche, c'est fini. Bon, on va prendre l'arc. On va sans. Voilà. Oula. Allez, la collision dans le jeu, c'est pas encore ça. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va chier. Après, c'est peut-être qu'une impression, hein. Que direz-vous? Bah, tous les coups, c'est des... Ah, bah voilà, bonjour, monsieur. Il m'a pas vu, le con. Merde! Ça va. Ça c'est de la merde. 120, non, le mien il fait 160, je crois, d'armure. Elle fait 160. Alors avec ta petite truc de merde là, 120, tu crois que je vais me la mettre? En plus, ça doit schlinguer le Falmer. Et Dieu sait qu'un Falmer ça pue la merde. Bon, si je continue à avancer comme ça, on va jamais arriver à 1. Bon, vous savez quoi? On va passer aux choses sérieuses, on va prendre ça. Plus une petite torche. Et puis on fonce dans l'art, écoute. Hein. Dans l'art et la manière. Putain, en termes de jeu de mots, je suis chaud hein, ce soir. Là, mais ça m'a l'air d'être un sacré labyrinthe dans le coin là. Alors, fais voir, parce qu'il y a à droite. Qu'est-ce qu'on a là? Une sorte d'hôtel pour vénérer un dieu quelconque qui disparaîtra avec ses croyants. Alors. Ouais. Ok. Salut mon pote. Quoi? Rune de... Rune de foudre, on essaye? Quoi? Ah, mais j'ai pas assez de magie, putain, ça doit... Oh, ça doit... qu'est-ce que j'ai? Stalactite, allez, si on essaie... Oh, ça leur fait que dalle. Éclair enflammé, éclair enflammé. Ah d'accord, ok, bon. J'ai pas assez. Allez, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, croche, 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 croche. Allez, oh putain, il a réussi le con. Et tiens, prends ça dans la mouille. Tiens. Mange-toi ça, le queue. Oh, ça vaut rien. Y'a rien dedans? Bon, y'a rien. Quoi? Ferry de mer tordue? Des petites choses là, des petits trucs à récupérer là, non? Putain, je voulais me gratter l'oreille alors que j'avais mon casque. Putain, 2 heures que je stream, bah bon sang. Ah, un Dwemer tout nu. Un Falmer. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien quand ils sont faibles. Oh, lui, il prépare sa magie, lui.
Loupé. Je l'ai eu. Bah voilà. Gentiment, je t'immole. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh non, c'est des... Des chorus, là. Des chorus. Je sais plus quoi ça s'appelle. J'ai jamais su comment ça se prononçait, cette merde. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Qu'est-ce qui fait ce bruit? S'il vous plaît, dites-le moi, je vais devenir fou. Maître. Ah. Ah. Eh merde. Alors, on va voir. Oh putain, ouais. J'y étais presque. Alléluia, mes frères, venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. Un saphir. Merde, non. Ah. Un saphir et saphir quoi? Je déteste ma vie. Aha! Oh, y'a rien. Jusqu'où on va aller comme ça là? Hein? Ok. Alors je sais pas. Alors, c'est encore des conneries de Falmer là? Qui schlinguent et qui pètent dans les grottes? Bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Alors, tête de chibre. Mais c'est qu'ils font mal, c'est... Vous avez été empoisonné. Oh merde. Allez, on va en utiliser quelques-unes parce que... Y'en a d'autres ? Bande de merde. Je te jure. C'est quoi ça ? ABCN longue nageoire. Oh. Et lui là, sa tête de chivre. Ah ! Putain, le con, il m'a fait peur ! On va se reposer un peu. Ah bah attends, regarde, potion, bah pour une fois que j'en ai 75, restaure entièrement la vigueur, 150, boum, voilà. Bon après tu me diras, la vigueur c'est pas la chose qui se restaure le plus lentement, hein, le plus lentement possible, hein, hein. F5, non. Voilà. J'ai... attends, parce que... Hein? Qui êtes-vous?
Ah, oh, ça m'emmerde, ça me... Ah, d'accord. Non, parce que je croyais qu'il y avait des lieux que j'avais pas visités. Oh, si, regarde, il y a un petit renfoncement, là. Je me retourne et sur la droite. Eh, oui. Eh, pierre de lune. Eh, oui. Oh, bah voilà, un coffre. Minerai de vif d'argent. Ça, je prends, je prends. Alors. Bon, ça va, les merdes, la chorus, machin. J'arrive à les buter plus facilement maintenant. Parce qu'au début. Un lutte. Une lutte. Quelqu'un joue de la lutte? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pourquoi j'entends des bruits comme ça? Il est là! Et voilà! Oh, pardon, ok. En fait, il a activé tout simplement le piège à qui l'a tué. Non seulement c'est moche, mais c'est con ce truc. Et ah, c'était ça le piège, d'accord. Bonjour! D'y voir là, on se calme là entièrement, paf. Et t'as mais c'est qui m'a fait mal ce con. Non mais d'y voir, heureusement qu'il a un bâton de fiotte qui vaut 1300 pièces d'or. Dis donc. Mais on est où là? Hein? On est chez les sauvages? Attends, parce que là, ouais, si là c'est bon, je sais fouiller. Ici, fais voir en termes de. Il peut pas avoir comme dans. Là, je suis en train de refaire. De faire plutôt Zelda ou Link's Awakening. Zelda Link's Awakening. Et dans les donjons, et ben il y a le. Comment ça s'appelle? Il y a une carte que tu peux trouver. Et ben là, on peut pas avoir une carte, t'sais. On trouve une carte. Ring. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est là, ces trucs? Alors, oulala, une grande pièce, je sens que ça va être la merde. Une araignée au plafond qui mangeait un champignon. Écoutez, je suis fatigué, ça fait plus de 2 heures que je stream. M'en voulez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, vous! Vous avez des potions de santé? Il est trop occupé à décuver. Regardez, il a une bouteille de vinasse ici. Quel con. Enfant, c'est moi, c'est Tati Jeannette. J'ai un cadeau pour vous. Voilà. Y'en a un autre? Y'en a un autre? Est-ce qu'il y en a un autre? J'ai tué votre petit frère. Vous voulez pas le venger? Oh, mais. Ah! Alors, on retourne chez les Dwemer, là, c'est ça? T'es en train de me dire? Qu'est-ce que c'est? Dégage, toi. Tu vas me faire remarquer. Ah, bah alors? Bah attends, mais c'est qui fait mal, ce con? Mais putain, mais c'est quoi leur... Hein? Bon. Non mais pourtant il avait qu'une épée. Alors fais voir sa putain d'épée de merde là. Parce que elle me fait très mal son épée. Enfin ce truc. 49. Attends, fais voir. D'y voir 49 là. H affûté.
Moi, il fait 60. Ouais, mais ma masse, elle est très lente. Hein? Ouais, écoute. Peut-être que je sais pas. Écoute, j'en sais rien. Oh, attends, bah attends. Ah, c'est fini, moi j'ai comaté là. Alors maître, encore un truc de merde. Oh putain, vas-y là. Allez, putain. Ah voilà. Altération, augmentation jusqu'à 26%, bah c'est bien. Oh, magie plus 70, 849 je prends ça, 380 je prends ça. Et une clé, je crois que je l'ai déjà, mais bon. Voilà. Bon. Cent quatorze heures de jeu, bah mon dieu. Ah là là, bon les copains, hein. Il commence à se faire tard, il est quelle heure? Hein, 23h. On peut voir, attends. Hop. Non. Je regarde un truc sur internet. Ouais. Ok. Alors. Oula, pourquoi il y a des chutes de FPS d'un coup là, comme ça? Qu'est-ce que vous me faites chier? 12? Bah dis donc. Ouais, non, on va en rester là, les enfants. J'espère que ce stream vous aura plu tout autant que moi je l'ai fait. Enfin, c'est pas vraiment français ça. Et mes FPS, ça chute à une allure, mais plus rapide que. Voilà, vous connaissez la musique, hein. Vous pouvez me suivre de part et d'autre d'internet via le pseudonyme Marvin Schrödinger, hein, c'est simple à retenir. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une belle vie, plein de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Hein.